soi. Jeudi, c'est la sixième semaine, en dedans de carême année C. Une semaine spéciale, car mené nous dans la plus grande fête dans l'histoire de la ville qui s'est faite Pâques là. Litigie jeudi, a gagné deux parties. L'a commencé dans quelques temps. Côté nous pral accueillir Jésus, roi nous, à grand monomain, même Jean, peuple, l'entend l'antéfère. L'étape rentrée dans la ville de Jérusalem. Dans la deuxième partie, nous pral vivre trahison, même peuple ça, qui pral mener Jésus sous bois la croix, côté l'étape pral par la vie dans le bénéfice de l'humanité. On cherche à comprendre plus bien sens litigie, la messe jolie, dans façon pour nous toujours associer nous à Christ là, dans le sacrifice n'a accepté pour lui, comme ça, n'a capable d'entrer dans le pillage, la vie qui est réservée pour nous. On nous prie pour nous. Verset 4, rivé, dans verset 7, en écoutez.
Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'anticipe, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas démolie. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mais bon Dieu va lever en l'air pour tout le monde capable de baisser la tête devant. Dans le chapitre 2, sorti dans verset 6, rivé verset 11, lettre qui écrit, mon Philippio, Apôtre Paul a dit nous plus. Écoutez. Jésus-Christ, malgré ses sabots, ses bon Dieu lié, n'est pas considéré égal à mon Dieu, tant qu'il y a un bagage pour le Québec pour les soeurs. Mais il fait propre tête, il ne vit pas en rien. En tant qu'il prend nature esclave, il vit semblé à les hommes. Il reconnaît lui tant qu'au monde. Il rabaisse tête, en tant qu'il obéit juste dans la mort et puis la mort sur la croix. C'est pour ça que mon Dieu le vénéré, les balions non qui enlèvent tout nom, pour au nom de Jésus, tout genou baissé, dans le ciel, sous terre, en bas terre, et puis toute langue déclarée, Jésus-Christ est grand-mère, dans la vérité, mon Dieu, papa. Ça, c'est pas bon. Thank you.
verset 1 à 16, puis 18 à 56. Quand l'heure est venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit, prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi, sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui me livre. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit, les rois des nations païennes, leurs commandements maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez toujours bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que, par trois fois, tu aies affirmé que tu ne me connais pas. Lui, il leur dit, quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Il lui répondit, mais non. Jésus leur dit, eh bien maintenant, celui qui a de l'argent qu'il en prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, il a été compté avec les pécheurs, le fait, ce qui me concerne, va se réaliser. Il lui dit, Seigneur, voici deux épées. Il leur répondit, cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples suivirent. Arrivé là, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ, se mettant à genoux, il priait. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant,
que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et se rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens, le nommé Judas, l'un des douze, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit : Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui toucha l'oreille droite. Jésus répondit : Laissez donc faire. Et touchant l'oreille de l'homme, Jésus le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde, francs et anciens : Suis-je donc le bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Et c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et le faire entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit : Celui-là aussi était avec lui. Mais il nia : Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant : Toi aussi, tu en fais partie. Pierre répondit : Non, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait : C'est sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit : Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite : Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'aurais renié trois fois. Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient : Et il lançait contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il vit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et ils emmenèrent devant leur grand conseil. Il leur dit : Il leur répondit : Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. Tous lui dirent alors : C'est l'homme le Fils de Dieu. Il leur répondit : C'est vous qui dites que je le suis. Il dit alors : Le chef des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. Il se mit alors à l'accuser. Nous avons laissé l'homme, nous avons laissé les hommes,
toucha. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouvais chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Parmi les faits dont vous l'avez accusé, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qu'il mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Le chef des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. Ils se mirent à crier tous ensemble. Ce dernier avait été emprisonné par un maître ou une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais il criait pour la troisième fois, il leur dit. A donc fait cet homme. Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décidait de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute, celui qu'il réclamait, et il lui livrait Jésus à leur bon plaisir. Parce qu'il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils leur chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, tâchez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On emmenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit, le crâne au bout calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à
ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant: les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient pour le bidonner de la boisson vinaigrée. Ils lui disaient: si tu es le roi, une inscription était placée au-dessus de sa tête: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait: n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit: amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Il était presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Allons à genoux. Passé, le centurion romain rendait gloire à Dieu. Sûrement cet homme était injuste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée. Il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. De la passion. En effet,
dans la célébration de ce là en bas, et dans les semaines de l'église là, avec l'église là, dans le récit de la Passion selon Saint-Luc, nous souhaitons tout événement Passion Jésus-Christ, ce qui est passé Jérusalem il y a plus de 2000 ans de cela. Nous souhaitons événement dimanche de la Moua, événement acclamation Jésus-Christ, comment que Foula est en drap à terre, et nous avons une branche pour adorer. C'est ça que nous sommes produits avec la procession que nous avons fait. De nous avons là, nous avons amené, nous avons avancé. Ensuite, la Passion raconte nous l'événement jeudi saint. Comment Jésus a été institué l'Eucharistie, et puis ça qui va arriver dans vendredi saint. Ça rappelle nous souffrance Jésus-Christ, et ça rappelle nous souffrance canonique sur terre. Il y a trois bagailles qui sont intéressantes, qui sont bonnes pour nous. Nous vous songez, moi personnellement, je ne crois pas que je vais célébrer dimanche rabot, toujours à méditer. Et réalité ça, qui sont réalités humaines malheureusement, que nous jouons de tous côtés sur la terre. Ce n'est pas seulement mon notre Jésus, ce n'est pas seulement Haïtien qui font ça, ce n'est pas seulement Américain, mais c'est l'humanité même. Regardez, même foule là. Qui t'a appelé vive Jésus, vive Jésus. Et puis, cinq jours après, il y aurait les abats Jésus. Ça, mais ce n'est pas semblable avec l'histoire par nous. Le capable acclamer le jeudi, demain, il y aurait les Charles d'Albert. Parfois, plus bons amis, on tenait plus beau ennemi. Nous partager souffrance Christ, nous partager destin Christ. Deuxième bagaille qui frappe dans le récit de la Passion, qui joue le tout, c'est le Jésus-Christ a mouru. Ouais, on l'a cherché, les amis, on l'a cherché les partisans, mais côté partisans, côté monde qui était avec lui tout le temps, qui a mangé avec lui, qui a boué avec lui, côté Sila, qui était contre le miracle, côté monde qui était avec marché avec lui, tout le monde avec Galilée, qui était contre la prière avec lui. Côté yo fait, l'a cherché yo. Peut-être de manger la bâtisse, peut-être qu'il n'y a pas bien brûlé yo, qu'il n'y a pas bien côté un tel. Et bien, ce yo, de la foi, l'on a un gros besoin, l'on a cherché son ami, l'on a cherché mon trouvin pour ton secours, ou relé, vous prenez le téléphone, vous appelez tout le monde, vous appelez tout le monde. Vous avez mangé avec vous, vous avez bien mené avec vous. Vous ne pouvez pas faire de personne. Vous ne pouvez pas faire de personne. Vous comptez tout. Dans le moment où vous cherchez le monde, vous côté. C'est vrai, vous avez Saint-Jean. C'est vrai, vous avez Maman Marie. C'est vrai, vous avez Marie-Madeleine. C'est vrai, vous avez Marie-Cléopâtre qui est dans le pied de la croix. Vous avez pour ça que vous avez été fidèle avec Jésus. Mais en fait, nous étions là, ça a été café. Vous êtes gros monsieur, vous êtes les gars qui sont dans vous êtes bon comme ça, vous êtes là. Vous êtes plus fort comme ça, vous êtes appelé vivre Jésus. Jésus qui a fait miracle, il a mangé pain, poisson, vous êtes là. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas retourné dans la vie du tout. Vous n'avez besoin de vos amis, c'est le salon pour la personne capable de faire. Donc, qui besoin de mon côté, c'est les gens capables de sentir seul. Pas seulement sentir seul, non, mais seul dans la réalité. Mais bon Dieu, il n'a pas blagué. Il dit, nous, même si papa a abandonné, lui-même a toujours été bon côté. Bon Dieu, pas blagué dans une situation de détresse, situation d'abandon, que nous même capable de vivre. Même le que c'est pas seulement le que et une situation difficile pour Jésus-Christ, mais peut-être. Dans mon avis, vous pouvez que vous avez des décisions importantes pour apprendre, ou bien que tout le monde a pris d'ailleurs, ou a cherché partisans, etc. Vous n'avez pas changé. Un autre fait qui est remarquable encore, qui toujours attire l'attention, c'est l'évangile a dit, nous, juste ça, et Wall avec Pilate, nos gros amis. C'est Dieu ça. Hein? Et Wall avec Pilate, plus Caïphe, il y a trois gros autorités. Dans le pays d'Israël à l'époque, trois autorités. C'est Hérode
qui était roi juif, c'était roi pays Israël. Mais il était roi, c'est vrai, mais c'était un pays occupé, il était occupé par Rome. Donc ça veut dire que chef là, tout bon vrai, même s'il n'est pas roi lui-même, mais le gouverneur que le gagnant mettait au-dessus des rois qui sont si rois parce que le pays occupé, c'est soldats romains qui ont la sécurité, c'est soldats romains qui sont chefs. Et tout ça que Rome te voyait pour te gouverner le pays Israël. Et il a cité le nom de Noa. Comment est-ce que ça encore? Pilate. Pilate, c'est pour l'autre chef. Peut-être c'est même qui est le vrai chef là. Chef qui a pouvoir tout mauvais dans la main. À côté de Rome. Et puis dès l'autre chef, on ne peut pas dire que c'est le Caïphe qui était grand prêtre de ça. Caïphe, c'est lui-même qui était même instigé pour tuer Jésus. Lui-même qui était gain au gros pouvoir dans la main tout. Parce que nous avons des peuples, je crois que peuple qui est très religieux. La nation d'Israël était une théocratie, ça veut dire que c'est mon Dieu qui a dirigé, c'est comme ça que je veux dire. Son nation, je crois que c'est mon Dieu. Donc, grand prêtre, ça, chef religieux, ça, peut-être que nos yeux peuvent placer eux-mêmes qui vrai chef tout le monde. C'est eux-mêmes qui remettent, qui respectent. Caïphe, toi avec ça, tu n'as jamais entendu. Je dis, tu ne peux pas faire l'autre. Caïphe et Rod Pilate. Je veux me dire, hein. Monsieur Rizan, sous ton Jésus. Ça c'est dur, hein, doit méditer ça. Comment les gens avec tes têtes ensemble, les plus craser le juste, les plus craser le faible, les plus craser, si la cap fait bien, si la cap gagne dans le cœur, vous avez tes têtes ensemble pour vous faire ça qui est mal, vous avez tes têtes ensemble pour vous détruire, vous avez tes têtes ensemble. Pour y'a crasé l'innocent. Nous, et ça fait tout le temps. Nous, et ça fait tout le temps dans l'histoire, dans la vie. Nous, il n'y a pas de peuple qui va mettre tête ensemble pour manger un yé dans le pays, pour faire un yé. Il y a des gens qui là, ils ne vont pas faire un yé pour être capable d'améliorer son peuple là. Mais si vous mettez ensemble, pour tout le monde, il n'y a pas de tête ensemble. Si vous mettez tête, il n'y a pas de tête ensemble de manière parfaite. Si vous faites un crime, il y a besoin d'argent, il y a besoin de monde, il y a tout qui a fait des maris saucissons ensemble. Avec une perfection, on va entendre ça aussi. Et puis on va dire que nous faisons la force. Non, ce n'est pas de nous ça qui va faire ça. Ce n'est pas de nous ça qui va faire ça. Ce n'est pas de nous mettre ensemble pour nous craser, pour nous tuer. Nous faisons la force là, c'est l'union, les deux. Nous mettons ensemble pour nous bâtir, pour nous construire, pour nous vivre plus fort, pour nous vivre en forme, pour nous soutenir l'autre, pour nous aider l'autre. Pour nous partager, pour nous transformer le visage pays nous. C'est l'union ça qui fait la force. Ce n'est pas l'union des méchants contre les justes. Frère Maxime, la passion du Christ, c'est aussi notre passion. Notre passion, notre souffrance, c'est aussi la souffrance du Christ. Jésus-Christ prend problème, nous on les mettait sous Paris. Je ne peux pas dire là-bas, ce n'est pas souffrance du Christ là, non que nous avons de la mort, mais c'est souffrance par nous. Parce que c'est à cause de souffrance par nous que Jésus est venu. Il prend par nous, il met sous dos lui. C'est péché que la côté, Isaïe dit. Eh bien, tout max a été dans le lui. Eh bien, c'est toute faute nous, c'est toute tête chargée nous. C'est tout problème nous que nous mettons sous dos lui, frère Maxime. N'a pas dit Jésus nous aime. N'a pas dit Jésus nous avèle. N'a pas dit Jésus merci pour toute sa vie endurée pour nous. Et pendant ce même ça, on a continué à méditer la passion de Jésus-Christ. Pour que nous ne nous vivions ça, non pas nous vivions amer, mais pour que nous jouions une force, pour que nous jouions courage pour nous avancer, pour ne pas nous décourager de nous rencontrer problèmes, difficultés, pour nous songer que Jésus-Christ est passé plus que ça, avant nous-mêmes, il était triomphé, et nous-mêmes, tout cas, marcher à la suite de Christ, eh bien, d'apporter la victoire pour nous-mêmes, sur tout ça qui est mal. N'a pas porté la victoire sur toute souffrance, n'a pas porté la victoire sur toute injustice, sur toute trahissance, qui a fait petit bon Dieu souffrir. Frère Maxime, nous-mêmes qui sommes partis sans Jésus-Christ, nous-mêmes qui avons suivi Jésus, nous n'avons pas besoin de peur. On nous continue à lutter, on nous continue à combattre contre ça qui est mal. On nous annonce cœur posé, cœur content, aimé. Même si nous rencontrons des problèmes, hostilités, difficultés, trahissance, mais nous connaissons la route à suivre. Nous gardons pour Christ là, nous disons d'adorer. C'est le chemin, c'est la route à suivre.
pour nous capables de vivre dans la vie de Pape Jean-Philippe. Pas oublier que c'est cela qui est crucifié, c'est cela qui a accepté de mourir à Jésus, qui a accepté de souffrir avec Jésus. C'est cela qui, quelque part, faut témoigner souffrance, soit enduré, soit dans la famille, soit dans le couple, soit dans le travail, faut témoigner dans l'église, oui. Souffrance, soit enduré, ça souffrance, ça yo. Mettez-le sous le croix Christ là. Pas prendre le coup contour. La guerre sous le croix Christ là. Pour capable porter la victoire avec Jésus-Christ. Si nous souffrons avec elle, nous triomphons avec elle. Si nous mourons avec elle, la preuve bien vivant avec lui. Bonne semaine sainte. On nous fait semaine sainte vraiment sainte. Dans le championnat vivre, dans la prière, dans le remède, dans le partage. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen. On nous campe pour lire à nous pour parler de moi. Je crois en le Seigneur. Thank you.
universelle, là, que nous relais, l'Église catholique universelle, qui a pu célébrer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pu prier ensemble, qui a pu vivre ensemble, pour nous faire la vie sacre qui se dit dans la souffrance de Christ, là, en nous la prier. Seigneur, écoute nos prières.
éprouvés et les chômeurs de notre pays. Seigneur, écoute nos prières. Thank you.
sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour nous recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous les juges. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Thank you.
péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Il est mort pour notre paix, il est mort pour notre salut. Souhaitons l'un et l'autre la paix qui vient de Dieu. La paix soit avec nous, la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Pour nous souhaiter au bienvenu d'une façon spéciale. Après de 4h pour 6h. Nous avons confession le mercredi de 4h à 5h. Nous avons confession 30 minutes avant chaque messe les week-ends. Pegasia va faire une rencontre avec les jeunes Marie samedi 23 avril à 2h dans l'après-midi. Et à groupe Angelus samedi 30 avril à 7h. Pas oublier pour un bulletin paroisse là, le n'apprêter l'église là, pour nous lire bel article en anglais, en français, en créole haïtien. Et pour nous informer de tout projet activité paroisse. Merci, bon dimanche. Avant bénédiction, on a songé à rappeler toute jeune de paroisse, toute jeune de nous, et pour ce soir, et teenagers, adolescents, avec jeunes adultes, pour que nous ayons une belle rencontre, l'ordination a fait pour jeunes le 17 juin, dans la cathédrale de Limbos. C'est à partir de 6h du soir. Son vendredi que la vie vendredi soir. Donc, déjà, la année, vous êtes capable de participer, même si vous n'êtes pas dans le groupe, mais si vous êtes venu participer, vous mettrez les noms de l'IA ou bien, cherchez un monde qui n'a pas accueilli là, vous n'êtes pas d'esprit, vous pouvez participer dans un constat. Après, la soirée à partir de 6h du soir, participation, c'est 10 dollars, c'est pour pouvoir payer, aider, pour pouvoir payer frais. Même si on ne connaît que bon congrès, le paristique parfait. Donc, le grand congrès, c'est un gros événement dans l'église. Mon équipe, le grand monde, songe, congrès eucharistique et mariage, les fans d'Haïti en 83. Et mon âme, il songe ça. Le pape Jean-Paul II qui est venu en Haïti le 9 mars 83. Donc, c'était un gros moment dans la vie de l'église. Côté que les grands déplacements, les grands rassemblements, les financements. Donc, ce n'est pas comme ça que la PME, c'est bon. Après le samedi 18 juin dans le web. Donc, pour plus de précision, on est capable de voir avec ou bien le secrétariat de l'église là, ou bien moi-même, ou bien n'importe qui père, ou bien n'importe qui qui n'a pas accueilli le métier de liturgie, capable de donner plus d'enseignement, plus d'informations. Et voilà, et depuis que nous songeons tout le monde pour monter sur le tritium, tritium pascal. Et puis, nous avons toujours une confession. Et chaque jour, après la messe, mon œuvre pour confesser, parce que nous devons faire une séance de confession, mais nous sommes toujours venir. Pendant que nous avons la fin de la messe à 9h, et après la messe, nous sommes capables de faire confession. Mais je dis tout, et après la prière, nous sommes capables de faire aussi de confession. Mais à partir de vendredi, et bien samedi, ça a décompté. Donc, profitez de ce moment-là, et pour le devant, nous finir, nous sommes capables. Clique, fait grand clinique, grand porte spirituelle pour nous accueillir Jésus dans la fête Pâques avec nous. Ça va bien célébrer la fête Pâques avec nos cœurs propres, nos cœurs de bonheur. Et vous pouvez amener de nous promener pour nous avoir une bénédiction finale pour nous faire la passion de Jésus. Grand maître, la fête.